This talk will be modeling and simulation of physical systems for hobbyists. Manuel Eipel wanted to lower the threshold entry thresholds for the subject, and so explaining modeling and simulation. Donc, bienvenue sur le canal de traduction pour la conférence sur la modélisation et la simulation physique de systèmes physiques pour les amateurs. Cette conférence va être faite par Manuel Eipel. Donc, son objectif, c'est de réduire le niveau de difficulté pour s'introduire à la modélisation et la simulation physique et que ce soit accessible à tout le monde. Vos traducteurs seront Mikachu et Yota. Enjoy. Donc, je veux dire que cette présentation peut être téléchargée sur le site internet et vous pouvez déjà essayer pendant que je parle. Et pendant que je montre les exemples, vous pouvez jouer avec aussi. So, let's get started. Donc, on va commencer. On va un peu diviser ce titre pour voir ce que je voulais dire par ça. Donc, pour avoir un peu un tour d'horizon de ce dont je vais parler. Donc, dans un premier lieu, la modélisation. Donc, dans ce contexte, créer une description mathématique du système. Donc, on regarde la physique, par exemple, d'un robot qu'on veut construire, un mécanisme ou quelque chose. Ensuite, on extrait les effets physiques qui sont à l'œuvre. On regarde les équations qui représentent ces effets et on met tout ensemble. Et donc, on obtient une description mathématique de notre système. Ensuite, la simulation, ça veut dire que une fois qu'on a ce système modélisé, donc ce modèle, on utilise un ordinateur pour faire les calculs d'un instant dans le temps à un autre. Donc, pour extrapoler à partir d'un état initial, pour voir quel est le comportement du système à un instant donné, après l'instant initial. Ensuite, on va voir les systèmes physiques, donc le hardware, le matériel avec lequel on peut fabriquer de la physique. Donc, ça peut être un robot ou quelque chose, comme quelqu'un qui bricole, je pense que vous saurez quoi faire. Et je m'adresse à des gens, à des amateurs, parce que je veux pas sous-estimer les compétences des hobbyistes en disant ça, mais je veux juste dire que les ressources qu'on va utiliser en fait sont vraiment accessibles à tous. C'est pas un logiciel que vous avez besoin d'acheter, mais c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut avoir. Et juste pour savoir qui a fait des maths à l'université. D'accord, il y en a pas mal. J'ai préparé pour cette présentation pour des gens qui ont à peu près un niveau de seconde en maths. Et si jamais vous voyez que votre voisin a des difficultés, ben vous pouvez l'aider. Donc, dans un premier temps, quelle est la motivation derrière la simulation? Pourquoi est-ce qu'on veut simuler quelque chose? Imaginons qu'avec vos amis, vous voulez construire un petit robot qui se maintient lui-même en équilibre. Donc c'est une conception assez facile. Donc deux roues, un moteur pour chaque roue. Ensuite, il y a une tige qui va vers le haut avec une caméra en haut, de façon à ce qu'on puisse avoir un point de vue d'un peu plus haut et voir ce que vous faites. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un pendule inversé. Donc si vous le fabriquez comme ça, sans contrôleur, bah, il va juste tomber. Et donc c'est assez facile à implémenter. Donc vous voulez construire ça avec un copain. Et donc je voudrais modéliser ça, mais l'autre est
Enfin, mais vous n'êtes pas très à l'aise avec la mécanique, mais votre copain connaît un peu mieux le hardware. Et puis vous ne l'avez pas encore, donc pour l'instant vous commencez avec du software avant de s'occuper du hardware, donc c'est là que la simulation peut aider. Donc pendant que votre ami construit le robot, vous pouvez écrire le logiciel et avoir votre simulateur qui recrée en fait le hardware tant qu'il n'est pas là. Et vous pouvez programmer votre contrôleur, et une fois que le hardware est prêt, vous gardez le contrôleur, vous enlevez le simulateur, et puis dans l'idéal, le système est complet et fonctionne. Donc le petit simulateur pour cet exemple, et il est en Python. Vous pouvez aussi télécharger le code. Donc vous voyez ici que la simulation tourne déjà. C'est à l'équilibre parfait, mais si je tape dessus sur le côté, il va tomber parce que j'ai pas activé le contrôleur. Donc si vous avez un robot qui n'est pas alimenté, il suffit de pousser un peu pour qu'il tombe. Maintenant je peux activer le contrôleur et on voit que si je le pousse, le contrôleur va le remettre en équilibre. Donc le contrôleur, c'est la partie que vous allez mettre dans le logiciel. La partie qui tombe, c'est le hardware que votre ami va construire. Donc je peux même le pousser un peu, juste comme exemple de ce que vous voulez simuler avec les méthodes qu'on va voir. Le problème, c'est que j'ai pas tant que ça de temps, donc on va pas faire tout le chemin, mais je vais commencer par des choses vraiment basiques, des modèles vraiment basiques, et on verra jusqu'où on arrive. Donc, pour résumer les motivations, donc la simulation peut être utilisée pour en lieu et place en fait du hardware et peut servir de bande test virtuelle par exemple pour des scénarios où on veut pas forcément utiliser le vrai hardware parce que c'est risqué, ça peut le casser, etc. Donc maintenant si on prend un peu plus de recul donc pour modéliser, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc imaginez votre ami Newton, on coupe la pomme qui est au-dessus de lui et on se demande ce qui va se passer. Donc on peut utiliser différents niveaux de détails pour faire ça. Donc d'un niveau très simple jusqu'à un niveau très détaillé. Donc niveau très simple, la pomme tombe. Donc on fait juste une ligne qui descend à vitesse constante. Ensuite, donc ça c'est une observation qu'on peut faire rapidement sans faire de mesures. Ensuite, pour quelque chose de plus détaillé, si on fait des mesures plus précises, on se rend compte que la pomme accélère, donc vous avez une trajectoire qui est parabolique au lieu d'être rectiligne à cause de la gravité. Et enfin, si vous prenez encore plus de détails, vous pouvez vous rendre compte qu'en fait, il y a des frottements de l'air, et donc la pomme ne va pas accélérer indéfiniment, mais elle va atteindre une vitesse limite. Et donc ça, c'est par exemple quand un parachutiste saute, il ne va pas accélérer indéfiniment, il va juste atteindre une vitesse limite. Donc le message que je voulais transmettre avec cette slide, c'est que peu importe suivant la question, suivant ce que vous voulez faire avec votre modèle, vous pouvez choisir vous pouvez choisir en fait un niveau de détail approprié, soit vous le gardez aussi simple que possible, soit vous essayez de le faire de plus en plus détaillé. Et suivant à quelle étape vous en êtes dans votre modélisation, il y a par moments où vous voulez potentiellement avoir quelque chose avec avoir par exemple envie d'avoir juste l'accélération sans la saturation. Par moments, vous pouvez peut-être avoir envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus détaillé en implémentant plus de paramètres.
Donc là, on va encore prendre un peu plus de recul. Donc là, on va regarder les méthodes mathématiques. Donc, on va regarder donc, la dérivation et l'intégration. C'est quelque chose qui va en fait lier les différentes mesures physiques, donc la position donc x, la vitesse v ou l'accélération a. En fait, en dérivant la position, on obtient la vitesse. Puis quand on dérive ensuite la vitesse, on va obtenir l'accélération. Et inversement, si on intègre l'accélération, on va obtenir la vitesse. Et si on intègre la position, on va obtenir. Si on intègre la vitesse, on va obtenir la position. Donc là, vous pouvez voir donc les équations qu'on a pu voir, que vous avez potentiellement pu voir à l'école pour calculer la vitesse en fonction de la position. Donc la dérivée, ça va être définir par le rapport entre deux points, le rapport donc de la fonction à deux points que vous voulez mesurer à deux points dans le temps, divisé par la distance en temps qui sépare ces deux points. Et vous allez prendre la limite de ce rapport quand cette distance en temps tend vers zéro. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle donc la fonction dérivée, ce qui va vous permettre, par exemple, donc à partir de la position à un point donné à un instant, puis à un point donné à un autre instant, vous allez obtenir la vitesse. Et inversement, si vous choisissez plutôt de multiplier la vitesse par la limite. Si vous changez la position en faisant quelques manipulations mathématiques, vous pouvez arriver à écrire que pour des temps de plus en plus petits, la position à un temps un peu décalé est égale à la position plus la vitesse fois ce temps. Et donc c'est vrai quand h devient de plus en plus petit, mais on peut s'en servir pour intégrer en fait. Donc en fait, ce qu'on va voir, c'est que suivant si on dérive ou si on intègre, on va finalement se rendre compte qu'on voit soit un petit peu dans le futur, soit un petit peu dans le passé. Donc quand on fait une dérivée, en fait, on va aller de plus en plus loin dans le passé. Si on intègre, on va aller de plus en plus dans le futur. Et donc on va pouvoir utiliser l'intégration pour prédire finalement la position potentiellement de notre. Donc par exemple, si on connaît un paramètre à un temps t et qu'on essaye d'obtenir ce paramètre à un temps t plus quelque chose, alors on va choisir d'intégrer des paramètres pour obtenir et non pas choisir de dériver. Donc là, en fait, le problème de ces équations, c'est qu'elles sont pas forcément, en fait, elles sont pas utilisables par des ordinateurs tels quels. Il va falloir trouver une méthode pour les écrire de façon compréhensible par un programme, donc sous forme d'algorithme. Donc, ce qu'on va remplacer la limite de h qui tend vers 0 par un pas de temps. Et on va uniquement calculer ça pour des multiples de ce pas de temps. Donc par exemple, notre instant t, ce sera un multiple, donc un k un entier multiplié par notre pas de temps. Donc on va se retrouver à devoir donc discrétiser notre espace de temps pour faire nos calculs. At t equals k times ts. So this is discretization. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est discrétisé. We transform this equation into this one. We divide by ts, and we obtain this nice equation. On obtient ça, on divise par le pas de temps, et on obtient quelque chose de cette forme-là. Donc x fois k plus 1, c'est égal à x de k plus la vitesse à k multipliée par le bas de temps. So I'm gonna show you a simple example. Et donc ça, dans un logiciel, ça peut être implémenté par une boucle for, où vous appliquez cette formule à chaque pas de temps pour obtenir le prochain.
Donc ici, si je prends une feuille de calcul d'un tableur, c'est pas très dépendant du logiciel que vous utilisez. Vous commencez par définir des constantes. Donc on prend une période d'échantillonnage d'une milliseconde avec l'unité. Ensuite, on a l'index. Ici, on l'appelle K. On prend le temps, on l'appelle T. Et donc, on est intéressé par la position X et la vitesse qu'on l'appelle V. Et donc, chaque ligne va être un point dans le temps. Donc, on commence à T égale 0. Et tout vaut 0. Comme ça. Bon, on gagne un peu d'espace. Ok. So now we have this formula. Donc là, voilà, donc on a la formule. Donc on va donc faire en sorte que notre K il soit implémenté, il soit incrémenté de 1 à chaque étape. Donc notre temps, donc ce qu'on a vu, c'est que ça va être donc ça va être à K, donc l'index multiplié par donc le pas de temps, donc TS. Donc là, dans les tableurs, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les symboles dollars pour que la case qu'on a choisie, elle ne change pas quand on propage notre équation dans le tableur. Donc là, ce qu'on voit, donc c'est encore une fois, c'est donc le, c'est donc là, on écrit effectivement ce qu'on a marqué en dessous, donc la position, ce qui est égal à la position précédente plus la vitesse fois le pas de temps. Et là, ensuite, bon, on va choisir une vitesse, par exemple, 0,5 mètres par seconde, complètement arbitrairement. Donc là, ce qu'on fait, c'est que voilà, on répète l'opération encore et encore pour avoir les positions au fil du temps. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir afficher la position au fil du temps. Donc on choisit un graphe, on va trouver les bonnes séries de données, donc on va mettre le temps en axe, sur l'axe X et la position sur l'axe Y. Hop. Voilà, donc c'est pas forcément très excitant, mais c'est exactement ce à quoi on s'attendait vu la façon dont on a conçu notre équation. Donc là, on a donc une ligne droite, une fonction affine. Donc là, on va faire en sorte de prendre en compte l'accélération. Donc là, on va la noter A. Donc on va commencer avec une accélération à T0 qui vaut 0,5 mètres par seconde carré. Et donc là, on va utiliser la même formule qu'on a utilisée pour la position et on va l'appliquer à la vitesse, donc en prenant en compte l'accélération. Et on va, encore une fois, répéter ça encore et encore à chaque étape. Voilà, donc là, on l'a répété sur une période de temps un peu plus grande. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une accélération constante et qu'on a intégré deux fois. Et donc, vu qu'on a intégré deux fois, notre position, ça va devenir une parabole au lieu d'être une fonction affine. Donc une ligne de droite. Donc là, déjà, on a quelque chose qui est déjà utile. On peut aussi ensuite prendre en compte le fait que notre accélération, qui n'est pas une constante, mais elle peut venir par exemple d'un capteur d'accélération. Et shape of the acceleration. Voilà, et du coup, en fait, on peut utiliser cette méthode parce qu'en fait, elle ne nécessite aucune connaissance préalable de la forme de l'accélération. En fait, on peut rentrer juste des valeurs discrètes comme ça qu'on a mesurées au fil du temps. Et ça nous permet d'avoir une assez bonne approximation de nos positions futures. Donc là, pour l'instant, le problème, c'est qu'on n'a pas d'accéléromètre. Donc, où est-ce qu'on récupère cette accélération? Ah, et une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a envie de garder le pas de temps assez petit pour avoir des données plutôt précises.
physical equations that exist, but in mechanics. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelque chose qui va donc un diagramme de bloc qui va vous permettre de résumer donc pas toutes les équations physiques, mais les équations physiques basiques qui vont être utiles pour définir le fonctionnement d'un petit moteur. Donc là, on va commencer par une version toute simple. C'est juste une masse, donc par exemple une boule de billard qui a une masse m et une vitesse v. Et donc là, ce qu'on va avoir envie de faire, par exemple, c'est changer son mouvement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui appliquer une force F. Et là, donc, on a la deuxième loi de mouvement qui va nous donner que la force est égale à la masse fois l'accélération, donc fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Bon, là, je vais accélérer un peu parce que j'ai vraiment plus beaucoup de temps. Donc en fait, on a les mêmes équations pour le mouvement linéaire, on l'a aussi pour la rotation. Donc voilà, par rapport à l'angle en fait de rotation et par rapport à l'inertie. Voilà, donc là, on a la force exercée par le poids en fait, qui est donc la masse fois la constante de gravitation qu'on va prendre en compte. Les autres effets qu'on peut avoir envie de prendre en compte, c'est par exemple la force de rappel d'un ressort ou les facteurs d'amortissement, les frottements visqueux. Donc là, la force de rappel du ressort, par exemple, on va l'avoir dans le cas où on a besoin d'un amortisseur d'une suspension, en fait. Yeah, I had in the beginning in the simulation example the robot tipping over and falling on the ground. So you just put the stiffness quite high and the damping as well, and you will obtain this. Donc voilà, donc par exemple avec le robot, en fait, si on met la force de rappel très forte et l'amortissement très fort, on va obtenir à peu près ce que je vous ai montré au début. Just for the sake of the example, a small mass spring damper. Donc là, par exemple, pour l'exemple, on va montrer. On va prendre en compte donc la force de gravitation, la force de rappel du ressort et les amortisseurs, enfin l'amortissement, qu'on va appeler donc FG, FK et FD. What I didn't say here is that this F is not necessarily one force, but it's the. Ah oui, donc ce que je n'ai oublié de dire, c'est que le F, c'est pas juste une force, c'est la résultante des forces. Donc en fait, on va avoir plusieurs vecteurs de force qui peuvent être exercés dans des directions différentes, à des points différents sur notre système, et on va prendre la résultante de toutes ces forces, une sorte de combinaison un peu des forces qui sont exercées. Donc là, on va définir une masse sur notre système, donc par exemple un demi-kilo. On va définir la constante de force du ressort, encore en newton par mètre, donc là, 100 newton par mètre. On va définir la constante d'amortissement, donc 10 newton seconde par mètre. Donc là, j'ai pris des paramètres un peu complètement au pif, mais ce que vous avez envie de faire, c'est de vraiment regarder le système que vous êtes en train de concevoir et de trouver quels paramètres vous avez besoin d'utiliser et vous allez utiliser dans votre système physique. Comme ça, vous avez un modèle plutôt réaliste de votre système. Donc voilà, donc là, on va mettre en place donc les équations que je vous ai expliquées tout à l'heure. Donc ah, pardon, j'ai oublié de rajouter aussi la constante de gravitation, donc moins 9,80 mètres par seconde carré. Donc là, voilà, donc la force de gravitation, donc c'est la masse fois la constante de gravitation. Hop. Là, on met les dollars, pareil, pour garder nos colonnes constantes. Donc on va mettre aussi la force de rappel du ressort. Donc on va, donc le x0 là dans notre équation, c'est la position d'équilibre de notre ressort. Donc là, je l'ai mis à 0 par exemple. Voilà. Encore une fois, c'est complètement arbitraire. Vous devrez choisir les valeurs en fonction de votre système réel.
Now what you see here, what I didn't say, but if you know a little bit about physics and math. Donc là, ce que j'ai pas dit, mais si vous connaissez un peu de physique et de maths, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, donc je l'ai pas dit, mais on va essayer de résoudre une équation différentielle en fait. The Euler method is taking care of that. On n'a pas besoin de s'embêter avec les mathématiques derrière parce que la méthode de l'air elle simplifie tout ça pour nous. Okay. Okay. And now I'm just gonna copy it all the way down so that. Voilà, donc là je vais faire une grosse simulation sur par exemple, soit une minute, donc une soixantaine de secondes. It takes a bit longer because, bon, ça prend un petit peu de temps. Okay. Hop. Là, voilà ce que vous voyez. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est que on a. What I said before about. Donc là, voilà, mon pas de temps, en fait, il était trop grand. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, dans notre intégration, on a une petite erreur, enfin une erreur en fait assez conséquente due à la méthode de l'air. Et si on prend un pas de temps trop grand, en fait, tous nos résultats sont complètement faux à cause de cette erreur. But if the sampling period. Donc en fait, si notre période en fait elle est assez petite, notre pas de temps est assez petit, en fait cette erreur elle est compensée par la boucle de rétroaction. Mais si notre pas de temps il est pas assez grand, en fait ce sera pas du tout compensé et on va juste avoir un phénomène de résonance et ça va complètement exploser. Donc là voilà ce qu'on voit, c'est voilà, donc si on prend un pas de temps trop grand, vous voyez que en fait notre position elle diverge vers l'infini et c'est juste pas impossible. Voilà, notre simulation devient instable si on prend un pas de temps trop grand. Bon, voilà, le problème c'est que en fait du coup je me retrouve à simuler 6 secondes au lieu d'en simuler 60. Donc c'est bien ça le problème. Et donc c'est là que vous vous rendez compte qu'il faut faire un compromis entre la précision de votre modèle et sa complexité, parce que si vous avez un modèle trop complexe et que vous voulez trop de précision, vous allez avoir besoin d'une puissance de calcul beaucoup trop grande. Donc il faut vraiment voilà, et faut aussi prendre en compte donc la robustesse de la simulation, à quel point elle est prône à des erreurs ou pas. Okay, so the question was whether this was a resonation. Donc la question qui m'a été posée, on m'a posé une question, c'était est-ce que c'était une résonance ou pas. But in theory, this. Okay, maybe I made an error in my calculations. Let me show you the one that I prepared. Bon, j'ai peut-être fait une erreur en fait dans mes calculs. Je vais vous montrer un exemple que j'ai préparé. Where I prepared it properly, because obviously I made an error in the calculations. So this is the effect that you are expecting, right? So you. Donc voilà, donc ça c'est plutôt ce que vous espérez obtenir. Donc vous commencez à une certaine position, vous avez une oscillation. Et vous avez le ressort qui tente de ramener la masse vers le centre, et vous avez l'amortissement qui va faire qu'en fait l'amplitude de votre oscillation elle va réduire au fil du temps jusqu'à se stabiliser à une position d'équilibre. Bon, du coup voilà, donc je suis un peu à court de temps, mais en fait on peut établir le même genre d'équation pour des principes électriques qui vont régir le fonctionnement d'un moteur. Donc là, je vais essayer de vous montrer très rapidement voilà une simulation avec un moteur électrique. Donc là, en fait, ce qui est intéressant avec les moteurs électriques, c'est que ça vous montre comment résoudre des problèmes. Vous avez deux équations qui vont,
qui vont être intriqués ensemble, qui vont être liés ensemble. Donc, et c'est aussi là où vous allez voir qu'il y a certains principes physiques que vous pouvez choisir d'ignorer ou pas. Et vous vous rendez compte, par exemple, que l'inductance de la bobine, si vous la prenez en compte, si vous l'ignorez, bah, dans certains cas, ça a absolument aucune, ça a quasiment pas d'influence. Et dans certains cas, suivant ce que vous cherchez à modéliser, ça peut avoir une énorme influence. Ça dépendra encore une fois de la situation. Donc là, un rapide rappel des petites astuces qu'il faut faire. Donc c'est avoir un pas d'échantillonnage vraiment petit. Donc par exemple, au minimum, il faudra une centaine de fois plus rapide que le temps propre du système. Ensuite, les choses que vous avez envie de faire, c'est faire des diagrammes de blocs aussi qui vous aident vraiment à voir comment fonctionne votre système et qui vous permettent de garder un schéma global. Il faut que vous... c'est ce que je disais, donc voilà, ça vous permet de garder une... De garder au clair comment vos différentes équations, comment vos différents principes physiques interagissent entre les deux et ce que vous allez obtenir, ce que vous avez en entrée et ce que vous allez obtenir à la fin. And then, if you want to be sure about what you're doing or you're having more complex models, maybe use some specialized tools, for example, SciPy, which is. Donc, une chose aussi que vous avez peut-être envie de faire, c'est si jamais vous voulez vraiment être sûr de ce que vous faites, et si vous avez des modélisations très spécifiques, utiliser des outils qui leur sont adaptés, donc SciPy, SciLab, des choses comme ça, qui permettent de. Qui ont déjà des choses en fait préconçues, préconstruites à l'intérieur. Donc, par exemple, vous rajoutez. Si vous voulez prendre en compte l'amortissement, vous utilisez le bloc pour l'amortissement, vous utilisez les blocs adaptés aux différentes choses que vous voulez modéliser, ça vous évite des erreurs. Donc en fait, ce que j'ai dit aussi, c'est qu'il y a en fait des choses plus efficaces et en tout cas différentes façons de se résoudre des équations différentielles. Par exemple, donc la méthode de Runge-Kutta à différents ordres. Also very helpful are the data logging. Et les choses que vous avez ce que vous avez aussi envie de faire, c'est d'avoir des objets, des logiciels qui vous permettront de visualiser aussi bien vos données que même votre système, un peu comme ce que je vous ai montré au début. Ça permet d'avoir un bel aperçu de ce que vous faites et de voir si ça semble réaliste. Bon, finalement, j'ai peut-être un peu trop accéléré, du coup, je vois qu'il me reste un peu de temps, donc je vais vous montrer un peu comment ça marche dans un logiciel donc gratuit, qui est un logiciel graphique qui utilise OpenModelica. Modeling, programming. Donc ça, c'est un logiciel qui permet de faire de la modélisation avec son propre langage de définition de système. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir marcher comme je l'aimerais. Ah, bon, tant pis, je vais vous montrer le code Python pour le simulateur que je vous ai montré au début. Donc voilà celui-là, donc avec le petit robot qui tombe. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini deux classes pour les avoir qui tournent dans des threads différents. Donc une pour la simulation et une pour la visualisation. Donc là, la partie simulation, elle est vraiment toute simple et en fait, c'est la partie visualisation qui prend le plus de lignes de code. Donc voilà, au début, donc, je définis tout l'état initial dans une fonction reset. Et là, donc là, c'est la partie simulation. Donc c'est vraiment ce que on vous a vu avant. Donc une boucle. Donc, have a sort of fake real time. Donc là, voilà, c'est, je fais en sorte, je falsifie un peu du temps réel, je fais en sorte, je donne l'impression de faire du temps réel à cet endroit-là. Donc là, j'utilise une notation avec plus égal qui permet
de, en fait, au lieu de dire θ plus oméga fois TS égale θ, j'écris juste θ plus égale oméga fois TS. Ça permet juste de simplifier la notation. Donc ça, ça vous donne l'angle, la vitesse de rotation. Donc ça, c'est les différents effets de couple. Donc ça, c'est les forces, en fait, mais en termes de rotation et non pas en termes linéaires. Donc ça s'appelle le couple. Voilà, donc là, pareil, la même chose pour le mouvement linéaire. Time would is up. Be happy to take some questions. Yeah, time is up, but we're not letting you go yet. Ah, bon, bah voilà, je suis à court de temps, mais je vais quand même prendre quelques questions. Because we do have time for questions. Out in the room, there are microphones. Please, if you have any questions, stand behind one of the microphones, and I will call out the microphone number, and you can ask a question. Please don't be shy. It seems like there are a lot of you that are quite knowledgeable about the subject. You can stand up behind the microphones. We have a question from microphone number 4. Yes, hello. Bonjour. Merci pour la présentation. Je voudrais demander si vous avez le code disponible quelque part. Oui, comme je l'ai dit au début, du coup, j'ai tous les exemples que je vous montre, ils sont présents sur le site du talk. Donc si vous allez sur le planning des conférences, sur la conférence, vous avez un lien vers l'endroit où vous pouvez télécharger le code. Est-ce qu'il y a d'autres exemples quelque part? Pas de ma part en tout cas, mais vous allez sûrement trouver assez facilement un million d'exemples différents pour des choses dans ce style-là. Donc là, par exemple, j'ai aussi un exemple avec donc la force avec la force de traîner, en fait. So this is your chance if you want to ask any questions and share the answer to your question with the rest of us. Please get up to one of the microphones. And are there any questions from the internet? There is no signal from the signal angel, so. Is there a question from the internet? No. Good. Well, let's give Manuel a big round of applause. Thank you. On va finir par applaudir Manuel.